Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une configuration de voiture. Cette fois-ci, c'est le Peugeot 2008. Vous pouvez peut-être le remarquer, j'ai testé une autre manière encore de faire. Si celle-là, elle va vraiment bien et qu'elle va bien dans l'écran, qu'il y a possibilité de le mettre en mode paysage et tout, que ça fasse pas en mode téléphone. Et donc, du coup, avec des gros trucs noirs à droite et à gauche sur votre écran de télé, si c'est le cas et que c'est nickel à l'écran de télé, puisque moi je viens de vérifier pour les deux. Malheureusement pour la Peugeot 208, j'ai fait en version ordinateur, ce qui a produit du coup une qualité assez médiocre d'image. Bon, c'est lisible et tout, mais le problème c'est que c'est moins bonne qualité que la 500 TSW, qui certes était plus grosse, plus gros, mais qui est possible en 720p, tandis que la 208 est seulement possible en 360p. C'est un peu dommage. Donc, on se retrouve pour cette vidéo. On va configurer le tout nouveau 2008. J'espère qu'il n'y a pas uniquement la version électrique. Et comme vous pouvez le voir, en haut, il y a encore cette barre Peugeot.be où est-ce qu'il est marqué avec la petite maison et tout. Et malheureusement, je ne sais pas comment on enlève cette barre. Si quelqu'un sait, ben ce serait vraiment sympa à lui de venir me le dire en commentaire, parce que ça m'embête un peu en quelque sorte. J'ai un groupe Huawei, donc parce que mon téléphone c'est un Huawei P Smart 2019, donc du coup je vais peut-être alors leur demander à eux pour voir s'il y a pas moyen d'enlever tout ça, toutes ces barres et tout, hein, voilà. J'ai testé en mode comme ça, normal, donc comme si comme on tient un téléphone, pour voir ce que ça donne. Je trouve que c'est une meilleure lecture et tout. J'ai arrêté le mode ordinateur comme je vous l'ai dit, donc voilà. Alors, cette Peugeot a 4 finitions disponibles à ce que je vois. J'ai pas remarqué qu'il disait le nombre de finitions disponibles. Donc là, Active à 21 245, la Allure à 23 895, la GT Line à 27 467 euros, et la GT à 32 590 euros. J'espère que cette finition GT est disponible en diesel, et ce n'est pas le cas. Donc du coup, bye. On va aller sur la finition GT Line du coup. Je sais, on me dit, oui, je prends cette finition-là, t'inquiète pas. Il y a 5 motorisations, donc c'est déjà beaucoup mieux. Je vois pas pourquoi la finition GT n'a que le droit à deux moteurs, un moteur essence et un moteur électrique. Moi, les moteurs électriques, normalement, il n'y aura aucune configuration techniquement sur la chaîne, normalement. Donc, à voir quoi. J'espère que vous m'entendez bien. J'essaye d'améliorer pour la vidéo, parce que la 500, le problème, c'est que je mettais ma main comme ceci, donc du coup, ça bloquait. Comme vous avez pu entendre, ça obstrue ma voix. Et donc du coup, vous avez l'impression que je parle dans un sac, ou je sais pas ce que vous voulez quoi. Enfin bref. Alors, en diesel, parce que moi j'adore les diesels, donc en général je configure toujours en diesel. Bon, il y a des essences, 1 litre de PureTech 130 chevaux en manuel 6 rapports, le 1 litre 5 bloche 10 en chevaux en 6 rapports aussi, le 130 chevaux essence, le 130 chevaux diesel. Je trouve ça très dommage, parce que je pense en Belgique, nous avec nos taxes et tout, c'est un peu la galère à ce niveau-là. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de 115 chevaux en fait. Du coup, ben, je vais partir sur un 100 chevaux, parce que je pense que c'est beaucoup de gens prendront le 100 chevaux manuel 6 rapports. Donc voilà. Alors, en couleur, alors qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Et eh bien, je pense qu'on va choisir le rouge élixir. Hein? Ouais, on va choisir ce joli rouge, parce que franchement, Peugeot a sorti un joli rouge depuis la 208, que je trouve très très bien. Je pense que c'est pas le même sur la 508 et tout, donc voilà. Donc, je profite qu'il soit dispo sur 208 et 2008. Le terme tissu et le cuir, ben, je pense qu'on va choisir le cuir. Ouais, on va vraiment choisir le cuir. J'adore leur intérieur chez Peugeot, c'est vraiment magnifique.
En sécurité de la conduite, le système actif de surveillance d'angle mort, on l'ajoute. Le park assist, on l'ajoute aussi. Le park drive assist, on l'ajoute aussi. Et oui, il n'y a pas de batterie, j'ai un peu rechargé le temps de vérifier sur mon écran. Bon, j'ai gagné que 2%, donc ça en quelques minutes, mais bon. Enfin voilà. Vous inquiétez pas, vous aurez la vidéo complète. Une alarme périmétrique et volumétrique. Toujours très 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 intéressant d'acheter, enfin de prendre une alarme en option. En termes de confort, le pare-brise avant chauffant, j'ai jamais vu l'utilité de ce genre de choses. Les sièges avant chauffant, on peut pas. L'accès au démarrage manuel proximity, ben, comme j'ai mis sur la 208, je vais le mettre également sur le 2008. Le recharge sans fil m'intéresse pas. Le Peugeot Connect. En ligne extérieure, l'auto-ouvrant ne m'intéresse pas. Les jantes. Eh ben, les gens, je sais pas trop quoi faire. Ouais, écoutez, pour les jantes. Pour les jantes, je crois que je vais prendre celle-là, avec le focal et tout. Donc, les jantes alliage 17 pouces, Salamanca, biton diamanté, noir onyx, vernis brillant, plus kit anti-crevaison, le système IFI Premium focal. Si Hyundai peuvent me dire c'est quoi cette marque focale, ça dépend de qui et tout, parce que j'ai toujours trouvé ça étonnant, focale, ça voulait dire quoi. Et je trouve ça que chez Peugeot, donc voilà. Bizarre. Très très bizarre. Mais par contre, je vois déjà le prix qu'il est le 3000, le 2008. Attendez, on va recharger la page. Niveau des jantes, je sais pas du coup si ça a ajouté. C'est bon, ça vient de l'ajouter. Donc voilà. Magnifique Peugeot 2008. On va télécharger l'image. Et voilà, alors on va faire le récapitulatif de ce Peugeot 2008. J'espère que j'ai pas dit 3008 plusieurs fois parce qu'il me semble que si. Alors, ce nouveau 2008 en finition GT-Line, en 1,5 litre bloc de 800 chevaux manuel 6 rapports, donc un diesel, est à 34 377 euros TVA comprise ou 510 euros TVA comprise par mois, donc en leasing. Avec les images ici, vous pouvez le voir, le Peugeot 3008. 2008, pardon. Oh. Alors, la finition et motorisation est à partir de 28 877 normalement. J'ai rajouté couleur et intérieur à 2500 euros. Donc voilà. Des équipements pour 3000 euros, ce qui me paraît assez logique à ce niveau-là. Pour ouais. Ça me paraît assez logique. Bon, contrairement à la 508, je vais pas vous faire tout un récapitulatif de tout le bazar. Pour ceux qui veulent savoir pour les trucs de série, les voilà sur la finition GT-Line. Je le fais assez doucement pour que vous puissiez voir. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez, hein. C'est pour ça. Et voilà. Voilà pour ce Peugeot 2008. J'espère que la configuration vous aura plu. La vidéo était un peu plus courte que les deux autres, mais tout aussi, bah, vous voyez quoi. Bon, 2008 est assez nouveau, donc voilà, c'est un peu méconnu, j'ai envie de dire. Les gens, ils sont peut-être encore, soit, bah, ils cherchent peut-être une voiture, mais avec la crise du coronavirus, je pense que c'est un peu compliqué et tout. Enfin voilà. J'espère vous avoir aidé, hein, pour ceux qui regardent mes vidéos et qui pensent peut-être à acheter une voiture, si ça peut vous aider. Personnellement, je choisis toujours une finition de gamme parce que je pense que c'est le mieux. C'est le mieux parce que c'est bien fini. T'as quasi toutes les options, ben, tout le bazar de série. Tandis qu'une finition basse, je pourrais la faire, mais je rajoute énormément d'options, ce qui m'arrive à quasi aussi cher que ça.
Et donc, du coup, j'en vois pas vraiment l'utilité. Enfin, bref. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche de notif. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!